the forgetting of air, thinking the difference, speculum the other woman, and so on. She's also just published today, she's also the author of To Be Two. Her books are for sale in the South Jury Room, and Professor Irigaray will be signing books after this lecture. I'm also very pleased to welcome Professor Tim Matthews from University College London. Professor Matthews will be translating this evening. He is also a collaborator with Professor Irigaray on a book of poems called Daily Prayers, which we publish shortly. And he himself is a distinguished academic in his own right and the author of the forthcoming Literature and Art, to be published by CUP this month. The talk will last approximately an hour. Professor Irigaray will speak in French, first of all, and Professor Matthews will translate into English. We'll then have questions, and then afterwards, Professor Irigaray will be signing books in the South Jury Room. Non, je vais le dire moi. D'accord. I thank you for your presence. I thank you, the Architectural Association, for its invitation. It is good. But I am not able today to speak good in English and to heard, to listen good to you. Then my friend Tim Matthews will be my English talk, my English language. Is this good? I would say so. I hope the next time be able, capable to speak English. The title of my talk is Comment habiter durablement ensemble? It is good, Zach. It is no good. So it is good. You must say, huh? Please. Encore plus. So? I shall read a part of my talk, and then Tim Matthews will translate. Thus, comment habiter durablement ensemble? Habiter pose des problèmes complexes dont un architecte devrait tenir compte. Il s'agit de permettre au sujet humain de subsister, mais encore d'exister et d'être, et même de devenir, qui plus est le plus souvent à deux ou plus de deux. Or, généralement, qui construit des maisons se soucie surtout de subsistance, la mise à l'abri des intempéries, la restauration des forces par la nourriture et le sommeil, une indispensable hygiène. Un appartement comportera donc un toit et des moyens de chauffage, une cuisine et une salle à manger, une ou des chambres, des WC et une salle de bain. À cela, il convient d'ajouter de nos jours un garage ou un parking. Voilà l'espace où l'animal doté de langage, le maître supposé de la civilisation, passe la plus grande partie de sa vie, naître, grandir, aimer, enfanter, travailler, souffrir, mourir. Certes, quelques modifications existent par rapport à cet espace schématique, la situation par rapport à la lumière et au bruit, la distance par rapport au sol et la hauteur des plafonds, la nature des matériaux utilisés et la grandeur des pièces, les modalités de chauffage, le fait que points d'eau et toilettes sont dans ou hors de l'appartement,
suivant qu'on est plus pauvre ou plus riche. Mais grosso modo, la topographie des lieux restera la même, ce qui n'empêche pas les spéculations de tous ordres autour de ce mode standard de se loger. This talk is called How Can We Live Together in a Lasting Way? Dwelling presents us with complex problems which an architect should take into consideration. The issue is one of enabling the human subject to subsist, to exist and to be, to become, and more generally, to be two, or more than two. Yet on the whole, those who design dwellings are principally concerned with subsistence, shelter, recuperation through eating and sleeping, the provision of basic hygiene. The typical house will thus include a roof and a means of heating, a kitchen and a dining room, one or more bedrooms, a toilet and a bathroom. And these days we should add a garage or a parking space. This is the space where the animal endowed with language, the supposed master of civilization, spends the greater part of his life, of its life, in being born, growing up, loving, having children, working, suffering, dying. Of course, there are some variations to this spatial schema. The situation regarding light and noise, ceiling height and height above the ground if it's a flat, the kind of materials used and the size of rooms, the forms of heating, whether the toilets and running water are to be inside or outside the house, depending on the relative wealth of those living in it. But grosso modo, the spatial topography will be the same. That doesn't stop all kinds of speculations about this typical form of housing from going on. Peut-être pensez-vous que j'exagère. Et si vous me tenez un peu rigueur de vouloir vous éveiller à certains problèmes que vous préféreriez ignorer, il se peut qu'en vous-même vous pensiez, elle exagère, comme d'habitude. Il est bien question d'habitude, en effet. Mais il est vrai que l'homme préfère s'interroger sur comment vivent les Martiens que de modifier ses propres habitudes. Or, le schéma d'habitation que je vous ai décrit comme habituel m'apparaît peu digne de l'humain. Il correspond à des besoins, certes, manger, dormir, se laver, uriner et déféquer, mais pas à des désirs, c'est-à-dire à ce qui est supposé identifier l'humain comme tel. Demeurer signifierait alors régresser à l'état quasi fœtal pour qui vit seul et à l'état indifférencié pour qui vit en couple ou en famille. Habiter n'aurait pas pour fonction de préserver l'individu non seulement physiquement, mais aussi psychiquement, mais de lui faire oublier ou perdre son identité singulière. You may well be thinking that I'm overstating the case. And if you're a little irritated because I want to raise certain issues that you'd rather ignore, it is possible that you're thinking to yourself, she's going to extremes as usual. It is indeed a question of what is usual, of habit. And yet it's true that man would rather ponder on how Martians live that modify his own habits. In my opinion, the form of dwelling that I have described as habitual is unworthy of the human. It corresponds to needs, to be sure, the need to eat, sleep, wash, urinate, and defecate, but it is not a response to desires, to that which is supposed to define the human as such. It would seem that to reside in this way means regressing to a quasi-fetal state for those who live alone, and to an undifferentiated state for those who live as a couple or as a family. The apparent purpose of having a house is not only limited to physical, but also psychic survival, but functions also to make him or her forget or lose his or her singular identity. Comment donc faire de nouveaux projets relatifs à l'habitation? Non seulement concernant quelques détails plus ou moins luxueux et superflus, mais concernant le mode d'habiter lui-même pour tout le monde. Pour vous suggérer quelques directions ou dimensions à partir desquelles réfléchir, je poserai la question, comment pouvons-nous habiter durablement ensemble, et en particulier à deux? Entendez dans le respect de chacun. Soit comment vivre ensemble sans s'anéantir soi-même, ni anéantir l'autre. Cette question semble peu familière aux architectes, alors qu'elle est proprement humaine. Elle suppose en effet de s'interroger sur une coexistence possible dans la même demeure, dans la même maison, sans détruire les subjectivités respectives. So, how are we
how can we bring about new ways of creating homes? And I don't simply mean in the details, which may or may not be important, I mean in the very manner of dwelling itself. In order to suggest some dimensions or directions for our thoughts in this matter, let me ask the question, how can we dwell together as two in a lasting way? By that I mean with each one being respected. That is, how can we live together without eradicating oneself or the other? Architects do not seem to be familiar with this question, even though it is a specifically human one. What it implies is a need to think about a possible coexistence within the same residence that does not destroy respective subjectivities. Sans doute, les architectes n'ont-ils pas suffisamment réfléchi sur la façon d'articuler le propre et le proche, le propre à chacun et la façon d'être proche avec l'autre. Ils ne se sont pas demandé suffisamment comment harmoniser subsistance, mais aussi devenir de soi pour chacun et relation avec l'autre dans le respect de chacun. Cela suppose de fonder l'habité sur la survie, mais pas seulement la survie, sur la croissance de la vie naturelle et spirituelle pour chacun, donc aussi sur la différence entre les deux. No doubt. Architects have given little thought to how what is proper to each one of us and the closest between us are articulated. They haven't asked themselves how to harmonize subsistence, each one self-becoming, and a relation with the other that ensures respect for everyone. That would presuppose dwelling based on survival, but also a dwelling founded on the possible growth of each one's natural and spiritual life, and hence in the difference between the two. Il s'agit donc d'assurer la protection de la vie naturelle et spirituelle pour chacun. Non seulement, j'insiste, la subsistance élémentaire de la vie, mais le devenir et l'épanouissement de la vie. À ceux-ci participent les éléments naturels. Commençons par eux, l'air, l'eau, le feu, la terre. Et s'il faut se protéger des intempéries, il importe tout autant de ménager dans la maison la présence de l'air et de la lumière du jour, si possible avec ses contrastes de soleil et d'ombre. Un feu de cheminée vaut beaucoup d'autres moyens de chauffage. Un rappel de la terre par la vue d'un coin de paysage et l'existence de quelques plantes ou arbustes dans la maison n'est pas un luxe. Les éléments naturels, outre qu'ils sont indispensables à notre vie, sont aussi ce que nous pouvons partager universellement, sans renier nos différences subjectives. Ils représentent donc la base à la fois de la subsistance, du devenir et de la vie en commun. Ils manifestent et rappellent la vie et ses rythmes en deçà et au-delà de nos folies et replis culturels. Il est bon qu'ils soient présents et mis en évidence dans une habitation humaine, une habitation commune. Dans certaines traditions, comme vous le savez, la demeure est construite autour d'un foyer qui assure la jonction entre la terre et le ciel, notamment par la flamme qui s'élève grâce à l'air par la cheminée. Autour de ce lieu de jonction entre terre et ciel se rassemblent les habitants de la maison pour se chauffer, pour manger et aussi pour parler et se divertir. La maison a ainsi un centre déterminé par le rapport entre la vie humaine et la vie de l'univers. Qu'avons-nous substitué à ce plan architectural alliant le plus nécessaire au plus spirituel, unissant le plus individuel au plus collectif, sans détruire pour autant l'intimité? The issue then is one of ensuring the protection of each one's natural and spiritual life, not merely the life of elementary subsistence, but the becoming and the flourishing of life. The natural elements, air, water, fire, and earth, all play a role in this. And although we have to protect ourselves from the weather, it's still important in a house to allow for the presence of air and daylight, and if possible, the contrast of sun and shade. An open fire has a lot more going for it than any other forms of heating. Nor is it a luxury to have a reminder of the earth by having a view of an area of countryside, or having a few plants or shrubs in the house. Natural elements are indispensable to our life,
And more than that, they are what we can universally share without renouncing our subjective differences. They thus represent the basis of subsistence, of becoming, and of communal life all at the same time. They show and remind us of life anterior to or beyond our human cultural extravagances and retreats. It is good for them to be present or noticeable in a human dwelling, a communal dwelling. In certain traditions, as you will know, the residence is built around a hearth which provides the meeting place between earth and sky, especially through the flame which rises thanks to the air in the chimney. The inhabitants gather around this meeting place of earth and sky to warm themselves, to eat and talk. In this way, the house has a center determined by the relationship between human life and the life of the universe. What we have substituted for this architectural design that aligns the most basic need with what is the most spiritual? What have we substituted for this? Let me read that again. What have we substituted for this architectural design that aligns the most basic need with what is most spiritual, and that unifies what is most individual with the most collective, yet without destroying intimacy? La maison doit protéger la vie de chacun en ménageant à la fois l'individuel et le collectif. Le recours aux éléments de l'univers, comme je l'ai déjà dit, en est un moyen. L'air, le feu, la terre, l'eau, moyen tout à la fois indispensable à la vie et assurant un possible passage de la vie naturelle à la vie spirituelle, notamment, mais pas simplement, parce qu'ils sont partageables. Dans la maison, doivent exister aussi des lieux de repli pour chacun. La solitude ne doit pas s'imposer seulement dans les toilettes ou la salle de bain, où sont supposées avoir lieu des activités plus ou moins avouables. Le corps, dans ce qu'il a de plus noble, mais aussi l'âme, si je les sépare artificiellement pour exprimer certaines idées, le corps, mais aussi l'âme, ont besoin d'espace propre pour le repos, pour le répit du devenir ensemble, pour le retour à soi, pour la reconstitution de son intégrité, de ses limites, pour la perception de son propre vouloir, de ses intentions, de sa différence. Ils ont besoin d'un lieu où se retrouver eux-mêmes. Mais ils ont besoin de ce lieu pour mettre l'autre en perspective aussi, car comment aller vers l'autre, vers lui ou vers elle, si l'autre n'est plus perçu comme tel, si l'indifférenciation domine le couple ou la communauté, comme c'est si souvent le cas. Un espace propre représente donc tout à la fois un lieu de mémoire de soi fœtale, enfantine, familiale, entre autres, mais aussi bien spirituelle, et un lieu pour penser à l'autre et repartir à sa rencontre. A house should protect the life of each one by making room for both the individual and the collective. Making use of the elements of the universe, air, earth, fire and water, would be one means of doing so. They are both necessary for life and provide a possible passage from natural life to spiritual life, especially, but not only, because they can be shared. There should also be places for retreat in the house for each one. Solitude should not only be found in the toilet or bathroom where only more or less unmentionable activities are supposed to take place. At its most noble, the body as well as the soul, and yes, I'm artificially separating for the purpose of expressing this idea, they need a space of their own, to rest, to have a break from becoming together, to return to oneself, to build up one's integrity and limits, and to be able to perceive one's will, one's intentions, and one's difference. The body and soul need a space where they can meet themselves and meet each other again. Ce lieu propre, en fait... And they need a space to put the other in perspective. For how can he or she be approached if the other is no longer perceived as such? If a lack of differentiation dominates a couple, and the community, as is so often the case. One's own space thus represents both a space for self-remembrance, for fetal, childhood and family memories, but by no means only these, and a space for thinking of the other and for setting off once more to encounter him or her. Ce lieu propre, en fait, ne peut pas être simplement neutre. Certes, une cellule monacale est mieux que rien du tout pour les retrouvailles avec soi, et comme plateforme pour préparer de nouvelles rencontres
et alliance avec l'autre. Mais un cadre approprié à chacun serait mieux. Dans la demeure, dans l'activité de demeurer, un lieu doit être ménagé pour le propre à soi, d'autres pour l'approche de l'autre et aussi pour la communion dans l'universel, dont les éléments privilégiés doivent rester dont les médiateurs privilégiés doivent rester les éléments de l'univers, les éléments culturels étant déjà marqués de manière non universelle. Au lieu d'en rester à ces lieux fonctionnels totalement, banalement indifférenciés, que sont salle à manger, salon, chambre à coucher, ces lieux qui ont assimilé la famille à une unité collective fondée sur une perte d'identité individuelle, pourquoi ne pas rebâtir la maison à partir du propre à chacun? Pourquoi ne pas la construire ou reconstruire à partir de deux studios remplaçant salle à manger, salon et chambre commune? Cette topographie des lieux ne serait-elle pas plus adaptée à nos exigences d'aujourd'hui? Ne représenterait-elle pas une économie de l'espace qui ménage en elle à la fois le propre et l'étranger, le propre et le proche, la singularité individuelle et la fondation ou refondation d'une communauté, entre autres celle du couple ou de la famille? Indeed, the specific space of one's own cannot simply be neutral or neuter. Of course, a monastic cell is better than nothing at all for a reunion with a self, and as a platform for preparing new meetings and alliances with the other. But an appropriate space would be better. In a residence, in the activity of residing, some space must be set out for that which is particular to oneself, and another space for meetings with the other, as well as for the occasional communion in the universal, since cultural elements are already marked in a non-universal way. A dining room, lounge, and bedroom are mundane, functional, and undifferentiated spaces that have assimilated the family into a collective unity founded on a loss of individual identity. Instead of this, why not build a house on the basis of that which is particular to each one? Why not rebuild it starting with two smaller apartments, which would replace the dining room, lounge, and shared bedroom? Wouldn't this spatial topography be more suited to today's requirements? Wouldn't this represent an economy of space that, in its arrangement, would show consideration for what is one's own and for the unfamiliar, one's own and the close, and for an individual singularity, as well as the foundation or refoundation of a community, the married couples or family community, among others? Comment donc imaginer un plan nouveau de demeure pour le couple ou la famille? Conservant provisoirement comme partie commune la cuisine, avec un coin repas, une salle de bain et des toilettes. Et utilisons les deux autres pièces d'un F2, j'utilise délibérément les cotes standards des logements sociaux en France. F2, c'est pour un couple, F3, c'est un enfant, F4, c'est deux enfants. Will you translate? Non? Later. Plus tard. Ok. Donc, et utilisons les deux autres pièces d'un F2 pour aménager deux studios, un pour elle et un pour lui. S'il y a des enfants, les chambres supplémentaires d'un F3 ou d'un F4 deviendront leur studio, si possible personnel, sinon à partager avec un frère ou une sœur, une partie de la pièce étant ménagée pour chacun. Mais laissons les enfants se débrouiller pour l'instant. Ils ont trop souvent été l'alibi de la perte d'identité de lui ou d'elle dans l'entité familiale. Et en conséquence, du fait que n'ayant plus de lieu intérieur ou extérieur propre, elle ou lui ont décidé d'aller le chercher ailleurs. Pourquoi donc un lieu propre à chacun? Mais parce qu'il est nécessaire. Les performances au travail ne suffisent pas pour épanouir la singularité d'une personnalité. Et si cette possibilité est la seule offerte à lui et aujourd'hui à elle, nul doute que compétition et guerre mineront la vie commune.
Par ailleurs, comment ne pas rechercher quelque aventure amoureuse hors du foyer, hors de la demeure, si la vie dite commune est imposée, obligatoire et non réellement partagée? Chacun doit donc trouver là où il demeure un lieu qui lui soit propre et non simplement un nid où accueillir des enfants. Comment donc bâtir cet espace propre? How can we thus create a new design for a married couple's or family residence? And Luce Irigaray is using the codes for a residence for a couple with one child, a couple with two, which we've tried to replicate here in this translation. Let's keep the kitchen with a dining area in it, the bathroom and a toilet as communal rooms for now. Let's use the other two rooms in a two-bedroomed accommodation and turn them into two small apartments, one for her and one for him. If there are any children, then the extra rooms in a three- or four-bedroomed accommodation will become their apartments. If possible, they would have one each, but if not, they would share with a brother or a sister, and one part of the room would be fitted out for each of them. But let's leave the children to their own devices for the moment. All too often, they've been the excuse for his or her loss of identity within the family unit. And a result of having no inner or outer space of their own, she or he has decided to go and find it elsewhere. Why, therefore, should each one have his own particular space? Because it's necessary. One's performance at work is not enough to fulfill a personality's singularity. And should this be the only option available to him and now to her, there's no doubt that competitiveness and fighting will undermine their communal life. Anyway, if so-called communal life is forced upon us and not truly shared, how can we avoid seeking a love affair outside the home? Therefore, each one of them must, in the very place where they live, find a space of their own, and not simply a nest in which to welcome children. But how to build such a space? Ce qui caractérise la subjectivité de l'un et l'autre sexe correspond à un monde propre. Comment le connaître, ce monde propre? J'ai tenté de le faire par l'analyse du langage de filles et de garçons, de femmes et d'hommes. J'ai recueilli et interprété de très nombreux corpus obtenus auprès de populations mixtes, de différentes langues et cultures, de différents niveaux socioculturels, de différents âges. Ce qui apparaît clairement est que filles et garçons, femmes et hommes, habitent des mondes différents, élaborés à partir d'identités relationnelles spécifiques. Je m'explique en donnant un exemple du travail réalisé. Si je demande à des échantillons mixtes de composer des phrases à partir de mots proposés, tels que « faites une phrase en utilisant les paroles « je »,« tu » ou « je »,« elle » ou « je »,« lui » ou encore en utilisant le mot « avec » ou le mot « ensemble » ou le mot « partager » ou le mot « aimer », je constate que les réponses données par les filles et les garçons, les femmes et les hommes sont très différentes. Cette différence, je ne pouvais pas l'imaginer avant de faire une telle recherche. Je pressentais que la différence entre les sexes n'était pas simplement biologique, ni simplement sociale. De quelle nature était-elle donc? J'ai conclu que la différence entre les sexes était d'abord une différence d'identité relationnelle. The subjectivity of each one of the sexes is characterized by a specific world belonging to that sex. How can this be apprehended? I have attempted to apprehend it through the analysis of the language used by boys and girls, women and men. I have brought together and interpreted a wide corpus obtained from mixed sex groups with different languages and cultures, different socio-cultural backgrounds and different ages. It is quite striking that girls and boys, women and men, inhabit different worlds founded on the basis of specific relational identities. Let me explain myself by giving you an example of the work we did. When mixed sex groups were asked to make up sentences from given words, such as I, you, or I, she or he, with, together, to share, to love, etc., it became clear that girls and boys, women and men, gave very different responses. I couldn't have imagined this difference before doing research of this kind. I had felt that the difference between the sexes was not simply biological or simply social. So what was the nature of sexual difference then?
I came to the conclusion that the difference between the sexes was firstly a difference in relational identity. Dans la partie de la recherche à laquelle je me réfère, la dernière réalisée auprès d'enfants, d'adolescents et d'adultes, les mots proposés pour composer des phrases induisent tous une mise en relation. Or, de ces mots, les sujets vont se servir très différemment selon qu'ils sont de sexe masculin ou de sexe féminin. Si je me réfère aux réponses d'un échantillon d'enfants italiens de 8 ans, je constate que les filles, dans leurs phrases, ont privilégié la relation entre personnes, de préférence entre deux personnes, de préférence entre deux personnes de sexe différent. Que les garçons, eux, ont privilégié le rapport sujet-objet. Et quand ils ont évoqué la relation entre personnes, il s'agissait d'un sujet dans un groupe, et dans un groupe de semblables à lui, du même genre. La seule allusion à l'autre sexe concerne la mère, quelqu'un d'une autre génération, donc, réponse que je n'ai pas trouvée chez les filles de cet échantillon. Ainsi, pour la consigne « avec », une fille composera la phrase « je parle avec Marco » et un garçon « avec la raquette, je tape la balle ». Ou, moins fréquemment, « avec lui ou avec eux, je joue au baseball ». Pour la consigne « ensemble », l'énoncé d'une fille sera du type « Gianfranco et moi, nous faisons un enfant ensemble ». Et celui du garçon « je joue toujours ensemble avec eux, mes copains, au masculin ». Pour aimer, la fille écrira « j'aime Paolo à la folie » et le garçon « j'aime le basketball ». Pour partager, « je partage avec Dylan même si je ne l'ai jamais connu réellement », écrit la fille. Et le garçon « je partage l'ordinateur avec ma maman ». Il est possible de voir également que les consignes impliquant une relation à deux, entraîne des réponses positives chez les filles et négatives chez les garçons. « Toi et moi, nous avons les mêmes goûts », écrit une fille. Et le garçon « je te hais ». Et que les consignes du type « je, il » ou « je, elle » obtiendront des réponses positives dans le cas du croisement des sexes de la part des filles et négatives de la part des garçons. « Moi et lui, nous nous aimons », écrit la fille. Moi et elle, nous nous détestons, écrit le garçon. I am going to refer to the final part of this research, which was undertaken with children, adolescents, and adults. And in this case, they were asked to make up a sentence with words that suggest bringing into relation. As it turned out, subjects were to use these words very differently, depending on whether they were masculine or feminine. Looking at the responses from a sample of 8-year-old Italian children, I observed that, in the first place, in the sentences made up by girls, the relationship between people was privileged, particularly between two people of a different sex. And secondly, as far as boys are concerned, they are privileged. They privileged the subject-object relation. And when they did evoke a relation between people, it would concern a subject among a group of others like them, like other boys. The only allusion to another sex would be to the mother, thus to someone of a different generation, a response not found among girls in this sample. Hence, given the word with as a cue, a girl will make up a sentence, I speak with Marco, and a boy will make up a sentence, I hit the ball with the racket, or sometimes I play basketball with him or them. Given the word together as a cue, the girl's statement will be something like, Gianfranco and I will have a baby together. And the boys will be, I always play together with them, that is, other boys. With to love, a girl will write, I love Paolo loads, and the boy, I love basketball. With to share, I share with Dylan, even though I've never really known him, will be written by a girl, and the boy will write, I share our computer with my mum. It is also possible to observe that cues implying a relationship between two elicit positive responses from girls and negative ones from boys. You and I like the same thing, a girl might say. A boy might say, I hate you. And with such cues such as I, he, or I, she,
If it is a question of two different sexes in relation to each other, girls will give a positive response. He and I love each other, a girl might say, and a boy's response would be negative. She and I hate each other. Je pourrais vous parler pendant des heures, voire des jours, à propos de cette recherche menée par moi avec certains chercheurs ou chercheuses qui ont travaillé avec moi. Je commencerai par réfuter l'objection déjà entendue qui prétend qu'il s'agit déjà là d'aliénation de la part de la fille. Ce serait supposer que l'aptitude à la relation avec l'autre est de valeur inférieure à l'aptitude à la relation avec l'objet. Ou encore que privilégier le groupe est mieux que privilégier l'autre, ou que préférer la différence est le résultat d'une aliénation et qu'il est mieux de préférer le même. Ce serait ne pas reconnaître non plus que les petites filles sont plus éveillées et créatives que les petits garçons dans ce genre d'exercice, notamment grâce à cette aptitude plus développée à la vie relationnelle. I could go on for hours, even days, discussing this research that I did in collaboration with other researchers, men and women. I would refute at the outset any claim that we are dealing here with girls who are already alienated. Such an objection assumes that the ability to relate to the other must be valued as inferior to an ability to relate to the object, or indeed that to privilege the group is better than privileging the other. Or that to prefer difference is a consequence of alienation, and that it would be better to prefer sameness. It fails to recognize that little girls are far more aware and creative than little boys, precisely because of their more developed aptitude for relational life. Ensuite, je vérifierai devant vous que les caractères évoqués pour ces petits enfants italiens existe chez les adolescents et chez les adultes, et que ces tendances ne sont pas propres à une culture, la culture italienne par exemple. Ainsi, les adolescents français de 16-17 ans, pour la consigne « avec », composent les phrases suivantes. « Les filles, je vivrai toujours avec toi. Je sortirai ce soir avec toi. J'irai ce soir au cinéma avec mon ami. Et les garçons, je mange ma choucroute avec de la bière. Je vais au marché avec mon caddie. J'aime les frites avec de la mayonnaise. Au mieux, je dors avec mon chat. » Pour les adultes femmes, on trouvera un peu plus de « j'irai en vacances avec mes enfants » ou « j'irai me promener avec mes enfants ». Et pour les adultes hommes, « je vais voir le match avec mes amis ». I will then go on to prove to you that the characteristics I have cited are to be found among teenagers and adults as well, and that these tendencies are not particular to a given culture, the Italian one, for example. Hence, for the cue with, 16 to 17-year-old French teenagers make up the following sentences. The girls: I will always live with you. I am going out with you tonight. I am going to see a film tonight with my friend. And the boys: I have beer with my sauerkraut. I go to the supermarket with my trolley. I like chips with mayonnaise. And even I sleep with my dog. Among adult Not women... Not my dog. Hmm? My cat. A cat? Oh, pardon. Still <I'm in> Je n'ai pas les chiens. It is a corpus. I just hate dogs. It is a corpus. Among adult women, there will be more cases of I'm going on holiday with my children, or I'm going for a walk with my children. And among adult men, I'm going to see the match with my friends. Je pourrais vous expliquer également les autres consignes proposées par moi ou d'autres chercheurs aux populations interrogées et comment j'en suis arrivée à tester l'aspect relationnel proprement dit. Je pourrais vous montrer aussi que les langues où la différence sexuelle est moins marquée ne sont pas nécessairement des langues qui servent le développement de la subjectivité féminine, comme cela se prétend parfois. Mais je suis ici pour faire des suggestions aux architectes et je vous renvoie à certains de mes livres, y compris Jamatois par exemple, mais pas seulement, pour vous informer sur ces recherches sur la sexuation du langage ou encore à des travaux collectifs, hélas non encore édités en anglais, comme Sexe et genre à travers les langues, le sexe linguistique, genre culturel et interculturel, etc.
I could equally go on to explicate other cues presented to research groups by myself and other researchers and to explain how I managed to examine the relational aspect itself. I could show you that those languages in which sexual difference is less marked are not particularly conducive to the development of female subjectivity, as it is sometimes claimed. However, I'm here to put forward a few suggestions to architects. If you wish to find out more about this research into the sexuation of language, I suggest you read some of my work, possibly I Love to You, or some of the collective work, which unfortunately has yet to be published in English. And here are some of the titles: Sexe et genre à travers les langues, Le sexe linguistique, and Culture et interculturel. Genre culturel et interculturel. It is another. Genre. Genre. Voilà. Genre culturel et interculturel. Comment utiliser de telles données pour imaginer une nouvelle façon d'habiter? Disons que le studio ou appartement d'elle fera une plus grande place à la vie relationnelle, à la relation à deux, à la différence, en particulier à la différence sexuelle. Cela peut se réaliser au niveau de la structuration de l'espace et aussi des objets, des images ou représentations qui figurent dans la pièce. Ainsi, le lieu pour accueillir l'autre peut être plus visible chez elle et moins visible chez lui, que ce soit au niveau d'un grand lit couvert de coussins d'une part, chez elle, ou d'une banquette-lit pliante chez lui, ou encore d'un coin salon pour se détendre ensemble et bavarder chez elle, ou d'un coin bar pour partager un verre sans que l'aspect relationnel soit immédiatement visible chez lui. L'espace travail sera moins neutre chez elle que chez lui, ce qui n'est pas dire que son travail est de moindre valeur, mais qu'il se substitue moins, du moins je l'espère, à la vie relationnelle. Ce qui figure comme photo, dessin, peinture ou sculpture fera davantage allusion à l'autre, aux deux, chez elle, et fera plus autoréférence et référence au groupe de copains, d'amis, de complices, chez lui. À cela pourront s'ajouter un certain nombre d'objets, plutôt techniques ou fétiches pour lui, et plutôt souvenir de quelqu'un ou de quelque lieu pour elle. How can we use these facts to help us envisage a new way of dwelling? Her apartment will give more space to relational life, to the relationship between the two, to difference, and to sexual difference in particular. This can be achieved through the way the space is structured as well as in the space is structured as well in the objects, pictures, and representations that are in the room. Hence, the area for receiving the other may be more in evidence at her place than at his. Whether this is a matter of a large bed covered with cushions, maybe, or maybe a bed settee, or perhaps a lounge area for relaxing and chatting together, on the one hand, or maybe a bar area for having a drink together without the relational aspect being immediately too obvious. The space for working will be less neutral at her place than at his, which isn't to say that her work is less valuable, but that it isn't a substitute for relational life. At her place, any photos, drawings, paintings, and sculptures will allude more to the other, to the two, whereas at his, they will be more self-referential and refer more to mates, friends, and partners. We could add a number of other objects to this, more technical or fetishistic ones for him, and the memory of some person or place for her. Ce sont quelques premières suggestions, mais les matériaux, les formes et les couleurs ne sont pas appréciés de la même façon par les femmes et par les hommes. Les matériaux métalliques et brillants seront généralement préférés par les hommes, et les matériaux plus chauds à la vue et au toucher par les femmes. Les femmes privilégieront les arrondis et les hommes les angles. De plus, si j'en crois les expériences de choix des couleurs faites avec des filles et des garçons, y compris de l'école maternelle, les mondes de l'un et l'autre sexe, là aussi, diffèrent. Et il sera bien d'en tenir compte pour la peinture, la moquette, les rideaux, les couvertures et les éléments décoratifs de chaque appartement. Cela peut être souligné ou plus discret, mais pourquoi n'avoir pas au moins un lieu à ses couleurs, à ses propres couleurs, et un va-et-vient de chacun des couleurs de lui aux couleurs d'elle. Peut-être des couleurs yang aux couleurs yin, mais ce n'est pas si simple. Notre vitalité, notre désir se nourrissent de contrastes et de différences,
Si la maison est par trop uniforme, comment faire pour que ceux-ci ne s'assoupissent pas? Une demeure est faite pour vivre et devenir, et non seulement pour se sustenter et dormir, en restant au mieux ce que l'on est déjà. These are just a few initial suggestions. Yet women and men do not appreciate materials, forms and colors in the same way. Men will generally have a preference for metallic and shiny materials, women for materials that are warmer to look at and to touch. Women will privilege what is rounded and men what is angular. Moreover, going by the colors girls and boys choose, even nursery children, the world of each one is different in that respect too. And it would be wise to take this into account when thinking about the paint, carpet, curtains, bedding, and the decorative aspects of each apartment. This can be done in a bold or subtle way, but why not have at the very least a space in one's own colors, and a coming and going for each one from his colors to hers, perhaps from the colors of yang to the colors of yin, but not necessarily. Our vitality and our desires nourished by contrasts and differences. What can we do to make sure that they are not dulled by a home that is far from uniform? That is far too uniform, I should say. As a dwelling place, a residence is made for living and becoming, not merely for sustenance and sleep, where we remain at best, who we already are. Partir de ce qu'est chacun entretient constamment l'éveil des perceptions, l'éveil du désir et de l'attrait. C'est un motif de préserver la différence, les différences dans la maison. Il y en a d'autres. C'est une manière de pouvoir faire retour à son propre monde, pour vivre réellement avec l'autre, réellement, non seulement en rêve ou au niveau des intentions morales ou à celui d'inertie ou régression parentale. Il faut retrouver régulièrement les limites de son propre univers. Ce n'est pas d'un coup que celui-ci peut se modifier, et ce n'est pas sûr qu'il soit bien qu'il se modifie, car ce qui entretient le désir entre deux personnes, ce qui est source de rencontres et de dialogues entre les deux, est la sauvegarde et la culture de la différence. C'est la différence qui a éveillé le désir, il faut la cultiver. Et cela implique de respecter l'autre, mais aussi d'être fidèle à soi-même, y compris dans la familiarité d'une demeure. Outre le fait de pouvoir et de devoir faire retour à soi, maintenir la diversité des mondes permet de se familiariser avec le monde de l'autre, non seulement au niveau des mots et des idées, au niveau mental, mais aussi par la perception sensible quotidienne du monde de l'autre. Starting from who each one really is keeps an awakening of perceptions and of attraction. This is one reason to preserve differences within a dwelling. There are other reasons. It is a way of being able to return to one's own world. In order really to live with the other, and not simply in one's own dreams or at the level of moral intention or parental apathy, one has to find regularly the limits of one's own world. This cannot be changed overnight, even assuming that it should be. For it is the safeguard and the culture of difference that maintains desire between two people and provides the source of their encounter and dialogue. And that presupposes respecting the other, but also being faithful to oneself, even within the familiarity of one's residence. Maintaining a diversity of worlds enables and obliges one's return to oneself. But aside from that, it also allows for familiarity with the world of the other, not only at the level of words and ideas, but also through daily sensible perception. Il ne sera pas nécessaire, d'ailleurs, de pénétrer quotidiennement dans les univers respectifs. Là encore, le contraste et la différence soutiendront le désir et le goût de se rencontrer. Aucune obligation. Partager obligatoirement les mêmes lieux, la même chambre, le même lit, a détruit bien des amours qui auraient pu subsister et croître, un peu mieux cultivés. Ainsi est-il possible de partager le repas dans la cuisine sans nécessairement passer la nuit ensemble? Pourquoi ne pas soutenir par une culture du goût les autres désirs? Selon certaines traditions de l'Inde, le dieu du goût, Vishnu, est le dieu qui conserve et restaure la vie. Pour entretenir la vitalité elle-même, y compris la vitalité du désir, le partage du goût n'est pas inutile. Dans la cuisine, la présence des éléments naturels sera évidente,
des éléments communs, donc, mais aussi celle de la différence des goûts. Manger est commun, se nourrir des fruits de la terre, voire d'autres nourritures, est commun. Mais cela n'empêche pas de conserver ses propres goûts. Ils peuvent être évoqués par quelques plantes aromatiques et quelques épices, quelques couleurs, images ou objets, mais aussi par un tableau d'affichage des menus de la semaine, tenant compte alternativement des goûts de chacun. Pourquoi pas conjuguer d'ailleurs cette alternance des goûts avec celle qui fera qu'un jour l'un sera chef cuisinier et l'autre son assistant, à moins de s'en tenir à l'alternance des jours où chacun prend en charge de restaurer les deux en faisant partager ses propres goûts ou en flattant ceux de l'autre. Et si celui ou celle dont c'est le jour n'a pas le temps de cuisiner ou est trop fatigué pour le faire, alors il ou elle invite au restaurant. What's more, there'll be no need to enter into each other's respective universes every day. Also here, contrast and difference will sustain a desire and a taste for meeting one another. The obligation to share the same spaces, the same bedroom and the same bed has wrecked so many loving relationships that could have survived and grown had they been a little more cultured. Isn't it possible to share a meal in the kitchen without having to spend the night together? Why not sustain other desires through a culture of taste? According to some Indian traditions, it's Vishnu, the god of taste, who conserves and restores life. Sharing taste is not superfluous to the maintenance of vitality itself. The vitality of desire is included. In the kitchen, natural elements will be in evidence, common elements, but there will also be evidence of a difference in taste. Eating is a communal thing. Nourishing oneself with the fruits of the earth or with other food is a communal thing, but that doesn't rule out preserving one's own tastes. These can be evoked by a few aromatic plants or some spices, some colors and pictures or objects. As well as this, there would be a menu board displaying the week's meals, which take into account each one's tastes on an alternate basis. Why not combine this alteration with another, whereby one day one is the chef and the other the assistant? Well, the days could be altered so that each one takes responsibility for replenishing the two in turn by sharing her or his tastes, or by pleasing the other's tastes. And if the one whose day it is to cook hasn't time to do it or is too tired, he or she should invite the other to eat out. Vivre ensemble suppose de partager les besoins. Pour ne pas retomber au seul niveau de ses besoins, il importe d'inventer des stratégies où nécessité et création seront mêlées l'une à l'autre. Là encore, la différence est ce qui permettra de les articuler. La différence est l'instrument indispensable au passage du besoin vital au désir et à la pensée humaine. Du moins, la différence assumée consciemment et de manière à faire advenir un monde nouveau, tous les jours. Composer avec les goûts, mais aussi avec la manière de faire et le travail de chacun, contribue à mettre en œuvre la différence et à élever l'enchaînement des jours, des semaines, des mois à une construction humaine où besoins et désirs se conjoignent. Il ne s'agira donc plus simplement de se nourrir, ni même de se nourrir bien et de façon agréable, mais de partager la nourriture avec l'autre de manière désirable, non seulement au niveau du goût, mais au niveau du partage lui-même. Living together presupposes that needs will be shared. To prevent us from lapsing back to the level of needs alone, it's important to invent strategies that mix necessity and creativity. Here again is a difference that will enable these to be articulated. Difference is the necessary tool for moving from bodily need to desire and human thought. Difference, that is, which is consciously assumed and in a way that aims to bring about a new world. In the way we deal with tastes, but also each one's method of doing and working, which helps to put It is the way we deal with tastes, but also each one's method of doing and working, which helps to put difference into operation and to raise the sequence of days, weeks, and months into a human construction whereby needs and desires are joined. Thus, it will no longer be a question of feeding oneself, or even of good and tasty nourishment, but of sharing food with the other in a desirable way, not only at the level of taste, but at the level of sharing itself. Habiter ensemble a souvent été assimilé à une fusion, une confusion des personnes,
imaginée comme intimité, comme proximité, dans l'unité de la famille, par exemple. Ou encore, habiter a été réduit à une régression de l'homme dans le sein maternel ou à l'âge du maternage. D'où la nécessité de la femme au foyer et le pouvoir ambigu qui lui est alors attribué relativement à la demeure. Il n'est pas question là d'habiter ensemble, pas encore question d'habiter ensemble. En fait, l'un se sert de l'autre pour cimenter un demeuré qui s'apparente à l'inertie d'habitude, qui s'apparente à la régression, à une immaturité, et non à la construction d'un être avec, d'un être ensemble. Ceux-ci ne peuvent se fonder sur une complémentarité entre les sexes ou entre les générations. L'une revenant souvent à l'autre, comme je viens de l'évoquer, l'homme trouvant dans la femme un substitut maternel et la femme un éventuel substitut paternel dans l'homme. C'est alors réduire la différence à une fonctionnalité, à un besoin, et non la reconnaître et la cultiver comme une source de transcendance. Or, la transcendance horizontale entre les sexes crée de l'espace, des espaces, alors que sa réduction à la généalogie les détruit et prend de l'espace. Les espaces ouverts par la différence ne peuvent être directement figurés dans la demeure, car ils sont irreprésentables, mais ils peuvent être évoqués et suscités par le maintien et l'évocation de la différence dans le mode d'habiter. Living together has often been assimilated to a state of fusion, of confusion between people, which is imagined as intimacy, proximity, within the family unit, for example. Or indeed, living together has been reduced to man's regression to the mother's womb, to being mothered. Hence the need for a woman to stay at home and the ambiguous power that is thus attributed to her within the sphere of the residence. This is not living together. In reality, one person is making use of the other in order to consolidate a form of residing associated with unchanging habits, with regression, with immaturity, rather than the construction of a being with, a being together. These cannot be founded on a state of complementarity, either between the sexes or between the generations. The one often coming back to the other, as I've just indicated, the man finding in the woman a maternal substitute, and the woman in the man a possible paternal substitute. That reduces difference to a function and does not recognize and develop it as a source of transcendence. Indeed, the horizontal transcendence between the sexes creates space, spaces, whereas reducing it to genealogy destroys them. Spaces opened up by difference cannot figure directly in a residence as they cannot be represented. But they can be evoked and raised by maintaining and evoking difference in the way of living. Ce sont ces espaces qui permettent de préserver le désir, les désirs, en sorte de pouvoir vivre ensemble durablement. Des représentations pornographiques émeuvent sexuellement de façon ponctuelle, et pour que l'effet soit durable, il faudra sans cesse augmenter l'intensité de la stimulation. Mais celle-ci n'entretient pas pour autant le désir, elle l'anéantit plutôt, le soumettant à des techniques ou des instruments extérieurs au sujet, et en fait extérieurs à la sensibilité elle-même. C'est plutôt dans l'intériorité de chacun que l'espacement et l'espace pour accueillir l'autre doit s'élaborer, se construire. Et ceux-ci ne peuvent évidemment pas se réduire à un équivalent de la matrice ou à de quelconques évocations vaginales, sous peine de retomber dans la complémentarité et la généalogie, sans accéder à la création d'espace qu'ouvre la transcendance entre les sexes. It is these spaces that allow desires to be preserved such that we are able to live together in a lasting way. Pornographic images are sexually arousing, and if their effect is to last, the intensity of the stimulation has to be constantly increased. But even so, they do not maintain desire. They eradicate it, in fact, subject it to tools and techniques exterior to the subject and to sensation itself. It is rather within each person that the spacing and the space for receiving the other should be elaborated. And obviously these spaces cannot be reduced to some womb equivalent or to some evocations of the vagina that would risk
for that would risk lapsing into complementarity or genealogy without attaining the creation of a space that opens transcendence, that opens up transcendence between the sexes. Ce qui désormais assurera le passage entre terre et ciel, c'est la différence elle-même. L'air qu'elle ménage entre les deux est animé de feu et de courant, de vent, on pourrait dire, par le désir, avec un mouvement allant de l'un à l'autre, mais aussi du plus bas au plus haut, du corps et de l'univers, du plus matériel au plus subtil, du micro et du macrocosme. Ce qui sert de centre à la demeure n'est donc plus seulement le traditionnel foyer, la traditionnelle cheminée, en admettant qu'elle subsiste, mais l'entretien de la différence comme lieu de naissance, de sauvegarde et de devenir du désir qui demeure et qui devient amour tout en restant désir. From now on, it is difference itself that will guarantee passage between earth and sky. The air it provides for between the two is animated by fire and currents, by winds, by desire, with a movement going from one to the other, as well as from the lowest to the highest of the body and the universe, from the most material to that which is most subtle in the microcosm and the macrocosm. In the center of a residence is no longer simply the traditional hearth, supposing that it still exists. Rather, it is the maintenance of difference as a place of birth, of the safeguard and becoming of desire, a desire that resides and becomes love while remaining desire. L'intimité, la familiarité, la proximité n'existent pas du seul fait de vivre l'un à côté de l'autre en partageant le même espace. Cela aboutit souvent à les anéantir, au contraire. L'intime, le familier sont d'abord, il est vrai, confondus avec l'être dans la mer, l'être avec la mer, et l'habiter dans la maison familiale. Mais cette perception de la proximité est alors mêlée, voire réduite à un besoin enfantin d'indifférenciation, où ce qui semble proche appartient à l'univers parental ou généalogique, abritant la naissance et le devenir de l'enfant. Le proche, alors, ne se distingue pas d'une existence en devenir. Le proche est une sorte de soutien au devenir. Pour conquérir et affirmer un être et un devenir propre, le sujet devra renoncer à ce premier vécu du familier. Le désir de l'autre comme autre l'aidera à un tel détachement. Il inaugure la quête d'une proximité d'une toute autre nature. Pour l'entreprendre, il importe de quitter le familier de la famille, sans pour autant partir en terre étrangère, comme le voulait Hölderlin, mais pour inaugurer une relation d'un type nouveau avec qui demeure à la maison avec vous. Si l'existence quotidienne répète la familiarité d'une famille, le désir ne pourra pas y subsister ni s'y partager. Une autre articulation entre le propre et le proche lui est indispensable. Une articulation qui surmonte le besoin de l'autre, l'indifférenciation avec lui ou avec elle. Intimacy, familiarity and proximity do not exist from the simple fact of living alongside one another and sharing the same space. That often leads to their destruction. The intimate and the familiar are confused with being in the mother, being with the mother and dwelling in the family home. But this perception of proximity is mixed with or even reduced to an infantile need for non-differentiation, whereby that which seems near belongs to the parental or genealogical universe, sheltering a child's birth and becoming. The house and its objects may serve as a space for the protection of this intimacy. So nearness is indistinguishable from an existence in becoming. In order to conquer or affirm her or his particular being and becoming, the subject must renounce this initial experience of the familiar. The desire for the other as other will help such a detachment and such a renouncing. It inaugurates the search for a proximity of a completely different kind. If this is to be undertaken, it's important to leave what is familiar in the family, not by setting off for foreign lands, as Hölderlin thought, but to inaugurate a new kind of relationship with those who reside with you.
If daily existence repeats the familiarity of a family, then in that case, desire will not be able to subsist or be shared. A different kind of articulation between what is proper to you and what is close is essential for desire, or for desire that surpasses the other and the state of non-differentiation with him or her. Vivre d'une existence propre nécessite la conscience d'un monde spécifique, propre à moi, dont le contenu et les limites doivent être reconnus et affirmés. C'est au-delà de ces limites et de ce contenu que l'autre peut se rencontrer, se désirer, s'aimer, à condition de respecter son monde à lui ou à elle, sans en enfreindre les frontières. La proximité se crée grâce aux limites dont chacun et chacune entoure son monde propre. La proximité constitue un troisième monde, un troisième lieu, au-delà du maintien de chacun dans son propre. Un lieu qui n'appartient à aucun, mais aux deux, mais qui ne se partagera pas aussi facilement que l'objet donné en exemple pour définir le symbole. Ce pourrait être la raison d'une fidélité à l'autre dans la durée et d'un demeurer durablement ensemble. Mais ils n'ont de sens que si chacun, restant fidèle à son propre monde, a commencé à élaborer avec l'autre un lieu de proximité qui appartient aux deux. Ainsi se fonde un demeurer ensemble où cet ensemble, sans être en tant que tel simplement visible, ménage un espace où continuer à habiter, un lieu sans cesse ouvert, ce qui n'est pas dire simplement vide, pour un accueil possible à l'autre et à l'œuvre commune, en deçà et au-delà de toute procréation d'enfants. Living an existence of one's own requires an awareness of a singular world, the limits and the contents of which must be recognized and affirmed. Only beyond these limits in context and contents can the other be encountered, desired, or loved, provided that his or her world is respected without infringing its frontiers. Proximity is created thanks to the limits with which the masculine one and the feminine one surround their own particular universe. Proximity constitutes a third place beyond the maintenance of each one in his or her own particularity, a place that belongs to no one but to the two, but which cannot be shared as easily as an object given by way of defining the symbol. This could be the motive for fidelity to the other over time, and for residing together in a lasting way. But they only have any sense if each one, while remaining faithful to her or his own world, has begun to develop with the other a place of proximity that belongs to the two. In this way, residing together is founded when this togetherness, without being simply visible as such, allows for a place in which to continue to dwell, a place that remains always open, which is not to say simply empty, to the possible welcome of the other and of a common oeuvre, prior to and beyond any procreation of a child. I thank you for your listening. I thank Tim Mathieu for his help. And it is your time for working by question, for working as architects. Thank you. We have some time for some questions. Could I ask anybody who asks a question to use the portable microphone and to speak clearly? You do not want. You don't want to work. Si si, il va plus. Yeah, I just want to
it's kind of a double jointed question that if in the study I sort of sensed, I'm not refuting at all the concepts explained, but I just wanted to, I could sense a bit of a biased assumption of certain's comments, and I was wondering if it's within your opinion, if you think that society in a way might be moving towards a matriarchal sort of parameter, and if, have you thought of the negative implications that your comments might take upon society if the couple in a way would take a completely different direction, because if you start to respect, I mean obviously you have to, but if in a way you take on a completely individual statement, the couple sort of starts taking implications in other desires. Please, not yes. Just the raising of a family. I don't know if you understand my question, but basically if it's, what would be the negative implications of this home, and would be your philosophy saying that we might be moving into a matriarchal society? I can say something. Oui. Because of translation, please, if it is possible to make or to do? To ask. to make, ask. Short question. Shorter. Je crois que la question a deux parts, n'est-ce pas? La première, est-ce que vous pensez donc, d'après ce que vous avez dit ce soir, que la société démarre dans une direction de structure matriarcale, de maternelle, mettons. D'abord. Ensuite, je ne suis pas sûr d'avoir compris, avez-vous pensé qu'il existe des éléments négatifs dans le concept du couple que vous proposez? Alors, the first, I speak French. Or French. French. C'est marrant, je commence à avoir envie de parler anglais. Mais... Bon. Je ne comprends pas très bien ce qu'il y a de matriarcal dans le discours que j'ai tenu. Mais, parce que matriarcal, c'est encore généalogique. Ce que j'ai essayé de vous proposer, c'est un monde à deux sujets différents, et qui soit un monde plus horizontal que vertical. Luce Irigaray is saying that she doesn't think that there's much of the matriarchal in what she was proposing tonight. It's much more a question of proposing a relationship of two, made of two, made out of the two. Which would be horizontal rather than genealogical. Alors, je dois répondre à la deuxième chose. Oui, la deuxième partie. Bien sûr, il y a du négatif dans la relation de couple que j'ai proposée. Je dirais même que cette relation est fondée sur la négativité. C'est-à-dire, tu n'es pas moi, je ne suis pas toi. Tu n'es pas mien, je ne suis pas tienne, et c'est sur ce négatif qu'est fondé ce couple-là. Mais c'est un couple nouveau. Yes, Luce Irigaray would agree that there is a certain element of negativity in the idea of the couple she was proposing, and indeed that idea is founded on the idea of negativity. I am not you, I am not yours, you are not she, she is not me. And that the couple is founded on this type of negativity, but it'll be a different kind of couple. Could I just, Madame Irigaray, your talk kind of starts from, in a way, a very ancient Christian assumption that the relationship between architecture and the other should be thought through the question of dwelling. It's
a line that goes from St. Augustine to Heidegger. And maybe there are other ways of thinking the relationship between architecture and alterity, but one could mention just in passing kind of Hegel, for whom architecture is in a sense precisely the discourse and the practice which most simply and immediately relates to the other, but not at all through the question of dwelling. Hegel would refuse any definition of architecture which is one that is there to fulfill a feature, to fulfill a function, to fulfill a human need. And perhaps that brings one on to certain questions about domestic architecture in the last 20 years, where many avant-garde architects have been concerned in their domestic architecture not to provide the kind of right dwelling for two, not to provide the more intelligent way of domestic life as such, but to totally problematize the idea of domesticity and to make living domestically a difficult architectural project at all. Alors, on propose, n'est-ce pas, que votre histoire, l'histoire que vous esquissez de l'architecture, est une histoire chrétienne où la relation à l'autre est articulée à travers la demeure, n'est-ce pas? On dit que c'est une idée là qui que l'on trouve de Saint Augustin jusqu'à Heidegger. Par contre, est-ce qu'on ne pourrait pas penser à l'architecture, enfin de l'architecture de façon différente, en utilisant un modèle hegelien, ce qui mènerait à penser à l'architecture contemporaine ou certains aspects de l'architecture contemporaine où la demeure n'est pas, où l'on ne cherche pas à créer une demeure pour le couple ni pour la domesticité, mais une demeure qui rendrait la domesticité une idée difficile à concevoir. Non, d'abord, je n'ai pas fait raconter une histoire, j'ai plutôt ouvert un projet. Je ne crois pas qu'il y ait dans notre histoire des maisons construites sur le projet que je vous ai proposé aujourd'hui. Et ce projet est, pour une part, hegelien d'ailleurs, dans un certain sens, puisqu'il est fondé sur la négativité, comme j'ai dit à ce jeune homme qui a posé les premières questions. Sans un certain usage de la négativité et de la dialectique, d'une nouvelle dialectique plus complexe que la dialectique hegelienne, que je pourrais développer, mais ça prendrait longtemps, ce projet architectural que j'ai esquissé ne serait pas possible. Dire que ce projet est fondé sur le christianisme, je voudrais à ce propos dire deux choses. D'abord, que la culture chrétienne est une très grande culture qui a produit un art, y compris architectural, extraordinaire, mais pas seulement architectural. Donc il faut réfléchir avant de tout jeter à l'eau. Mais que dans la culture chrétienne, la famille, dans la culture néo-testamentaire, la famille est beaucoup moins privilégiée que dans la culture vétéro-testamentaire. La culture chrétienne est une culture beaucoup plus de l'incarnation individuelle, qui n'a sans doute pas été jusqu'à comprendre ce que signifie l'incarnation de la chair. C'est là que la culture chrétienne a manqué quelque chose. Et je pourrais dire avec Nietzsche qu'il y a eu un seul chrétien et qu'il est mort sur la croix, en quelque sorte, que tout est encore à faire. En tout cas, je ne crois pas que... ben voilà, c'est bon, je crois. Non, si je réponds trop longtemps, alors il n'y a pas de place pour les autres questions. Luce Irigaray would like to reply to that, first of all by saying that she isn't proposing tonight a history of architecture or telling a story of architecture.
more wishing to propose a new departure for the way houses are designed. Her view is that the houses, as described in her talk tonight, don't exist at the moment. Her next point would be to say, I think, that in a way, what she's proposing is certainly Hegelian, based on the idea of negativity that she outlined in response to the previous question. And also, in response to the idea that the project that she's unfolding is inherently Christian, there's a degree to which she might agree with that. Partly, she would point out that, you know, the Christian tradition is enormous, and one that dominates us in any case through its thinking and through its art. And particularly, she would also say that the Christian religion, to a degree, is dominated not so much by ideas of the family, but more ideas of the flesh and ideas of incarnation. And she would say that with Nietzsche, there's only been one Christian ever, and that has been Jesus Christ. Ce que je voudrais dire encore deux mots, ce que j'ai proposé et qui, je crois, est vraiment nouveau et qui correspond à mon œuvre, d'ailleurs, à mon travail, c'est une culture à deux sujets et deux sujets différents. Et ça, je pense que c'est vraiment nouveau et ça correspond aux nécessités de notre époque. Et pour l'affirmation d'une autre subjectivité et pour l'affirmation et la possibilité d'une multiculturalité et pour la construction d'une universalité qui ne soit pas abstraite et destructrice pour la subjectivité, il y a beaucoup de raisons. Disons que cette culture du deux, c'est la culture la plus universelle possible dans le respect de la différence, ce qui fait qu'elle reste concrète et vivable. Luce Irigaray would like to add that what she's proposing today, that she thinks of as novel, is a culture of two, a relationship of two distinct, different subjectivities. She thinks that's a new idea and also appropriate to civilization at its current moment, because it would allow us to think of subjectivity as other, as well as belonging to oneself, and therefore also allow us to think about a multicultural society and about thinking of universalities which are applicable without being destructive. So the culture of two is one that allows for a living together which would be lasting. Et encore deux mots, cette culture est neuve aussi parce qu'elle n'est pas, elle ne privilégie pas la verticalité et la généalogie. And also this culture of two doesn't privilege genealogy or vertical thinking. Thank you for a beautiful essay. My question is, I sense a contradiction or a tension in your argument. On the one hand, you want to say that you have a... The way I read you is you've got a very essentialist notion of heterosexuality. You want to say there's a distinctness and a difference between the masculine occupation of space, masculine taste or male taste, and female taste, and the female occupation of space, the male preference for oppositionality versus the female preference for roundedness and mutuality and reciprocality. Okay, now for me that sounds very normative, and you seem to back it up with empirical research. Okay, so on the one hand you have a kind of normative empirical view of the difference between man and woman, an essentialist account of heterosexuality. Now, on the other hand, you want to say that men and women living together should be an exercise and a practice of transcendence. Okay, a transcendence of habit, a transcendence of fixed positioning. Now, doesn't this second kind of argument, which is not empirical, which is not normative, it's idealistic, doesn't it exist in some kind of profound tension
with the empirical normative view, and in which case, where would you prefer to go? Would you prefer to go to an ideal whereby the male and the female are always already transcending each other, transcending habit, transcending normativity, or would you rather go back to affirming the empirical? In other words, if you take the second view, then you can no longer say anything prescriptive about architecture's relationship to heterosexuality. On propose, n'est-ce pas, qu'il existe dans vos propos ce soir une tension intéressante. D'une part, vous semblez proposer une transcendance, c'est-à-dire la capacité de l'homme et de la femme de passer au-delà de l'habitude. D'autre part, vous proposez, et là vous basez sur une recherche empirique, des qualités essentialistes de l'homme et de la femme. Existe-t-il une tension entre ces deux positions, ces deux approches, ces deux façons d'aborder le problème? Si oui, dans quelle direction comptez-vous aller? Je voudrais répondre deux choses. Il me semble que je ne suis pas sûre, à travers la traduction, que vous ayez vraiment perçu ce que je veux dire quand j'emploie le mot transcendance. Transcendance est l'espace qui est ouvert entre les deux à partir du moment où je ne peux pas percevoir l'autre, ni mentalement, ni sensiblement. C'est l'espace qui est ouvert par l'irréductibilité entre les deux. C'est une transcendance très particulière. What is meant by transcendence here is a space where one is irreducible to the other. C'est la transcendance au sens, si je peux avec précaution faire une référence philosophique, un peu au sens husserlien. Transcendant est ce que je ne peux pas m'approprier d'aucune façon. C'est au-delà de mes perceptions mentales et sensibles. C'est en ce sens que j'emploie transcendant. I'm using transcendence in the idea that transcendence is nothing. It's that which goes beyond my awareness and my perceptions. En ce sens, cette transcendance est plus transcendantale que les transcendances dont nous nous servons habituellement. In that sense, this transcendence is more transcendental than the idea of transcendence we use normally or habitually. Parce que quand nous utilisons un certain Dieu comme transcendance, nous l'avons construit à notre image. When we use God, a certain God, as a symbol of transcendence, that's a God that we've created in our own image. Ce n'est pas rien. That God is not nothing. C'est nous, c'est entre autres une projection de nous dans l'absolu. It's a projection of ourselves into the absolute. Tandis que quand je dis tu n'es pas moi, je ne suis pas toi, tu es irréductible à moi, tu es transcendant à moi. Ce qui ne veut pas dire supérieur, tu es transcendant. On the other hand, when I say you are not me, you, I am not you, that you are not you are transcendent to me. Which is not the same as saying, which is not the same as imposing a hierarchy, i.e. saying you are higher or better than me. Alors je dis, between entre nous et le rien. So I say, between us is nothingness. Je me demande d'ailleurs si, en ce moment je donne un livre à l'éditeur, si ce livre, je ne vais pas l'appeler, ce néant qui nous sépare. I'm just wondering whether I shouldn't call my next book this nothingness which separates us. Je ne sais pas si nothing et néant c'est exactement la même chose, peut-être, je ne sais pas. Alors ça c'est néant, la première nothingness, néant, je pense. Ça c'est la première chose. En plus, je ne sais pas très bien ce que vous ou d'autres appellent essentiel ou essentialiste, parce que quand je parle d'identité relationnelle,
c'est une identité beaucoup plus existentielle qu'essentielle. I'm not sure also what you and those with you think of as essential. The relation I'm thinking of is far more existential than essential. Moi, je n'ai pas besoin d'essence pour construire ma pensée. I don't need an essence to construct my thinking with. Je n'ai pas besoin, ça c'est... Les essences, c'est quelque chose dont un besoin, un sujet qui privilégie l'objet. L'essence, c'est ce dont a besoin un sujet qui privilégie l'objet. Essence is what a subject needs to privilege an object. Une essence, c'est un objet, d'une certaine façon. In a certain way, an essence is an object. Moi, je peux regarder le rien entre vous et moi. I can look at the nothingness. Je n'ai pas besoin d'essence. I don't need an essence. We must be very careful if we're running out of time. Just one more question. There's been a hand over here, up here for a while. Can we make this the last question? This is standard. Why? Please. Alors d'abord, puisque vous employez le vocabulaire existentialiste, ne faut-il pas penser à Sartre et à Beauvoir qui, justement, peut-être, ont créé le premier couple tel que vous l'avez esquissé aujourd'hui. Ensuite, on propose que la différence que vous avez esquissée et explicitée aujourd'hui est une différence biologique et que la raison pour laquelle on fourre les hommes et les femmes dans de petites demeures, c'est que les femmes vivent plus longtemps et que les hommes échangent leurs femmes contre une autre continuellement. Donc est-ce que votre modèle n'est pas un peu idéaliste? Est-ce que c'est un modèle qui va changer le comportement des hommes, français ou autres? Et si... et pour ne pas être idéaliste, ne faut-il pas dans votre pensée une dimension sociologique et économique? Parfois j'ai l'impression, mais il est vrai que si déjà il faut arrêter la discussion après cette question, nous avons peu de temps pour discuter entre nous. Mais parfois j'ai l'impression que les questions sont des questions préparées d'avance et pas des questions qui sont réellement sur le discours qui a été prononcé. Alors ça je voudrais le dire parce que plusieurs fois j'ai l'impression que les questions sont des questions a priori et pas des questions existentielles sur le moment que nous avons passé ensemble. I think we need longer to you know, take questions and to talk these things through together, you see what Irigaray is saying. In addition, she sometimes thinks that the questions that are put to her aren't questions in response to what's actually been said on any given occasion,
that they're pre-prepared questions or a priori questions rather than questions that deal with the existential moment that we've passed together just now. Alors, vous demandez si, dans les choses que vous avez dites, je n'ai pas tout noté. Il me semble que vous avez dit, est-ce que ça va faire changer les hommes? Et moi, je dirais, est-ce que ce ne serait pas nécessaire de changer les femmes aussi? Et pas toujours attendre que ce soit les hommes qui changent. Je crois que si les femmes changent réellement, les hommes vont changer. Vous savez pourquoi? Parce qu'entre autres, ils imitent les femmes. Ça, j'ai compris dans l'histoire de la culture. One aspect of your question was to say, is any of what I'm saying going to change the behavior of men? I would answer, what about changing the behavior of women? Why are we always waiting for women to change their behavior, for men to change their behavior rather than women changing theirs? And another thing that Luce Irigaray has understood is that men will change by imitating women. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes croient que le mieux, le top pour elles, c'est d'imiter les hommes. Mais elles font comme les hommes, elles imitent quelque chose au lieu d'être elles-mêmes. So, women think that the tops would be to imitate a man rather than be themselves. I think at this stage we Alors, c'est très... Il n'y a pas trop d'espoir d'arriver à une culture à deux, mais je crois que la culture à deux, nous en avons besoin aujourd'hui, pas seulement en Angleterre, pas seulement en France, mais au niveau universel. So to that extent, the idea of a culture of two does seem beyond our reach at the moment, but we do need one in England and in France and universally. Parce que la culture à deux, c'est la seule base d'une culture démocratique. That would be the only basis for a democratic culture. Au niveau du droit, au niveau de l'économie, au niveau d'énormément de choses. Et vous dites que mon exposé n'était pas, par exemple, que j'aurais dû m'intéresser un peu plus à la sociologie. Toutes les enquêtes que j'ai faites auprès d'enfants, c'est de la sociolinguistique. Ce sont des enquêtes fondées sur une méthode sociologique. So we need a culture of two for a democratic society at the level of law and at the level of economics. And finally, you asked me whether I didn't need a sociological dimension to my work. I would say that the research that I have done is fundamentally sociological in nature. Dernier mot, je dirais que ce que je propose qui est vraiment nouveau, c'est donc une culture de deux dans la différence et où on met comme base la relation entre les deux et non pas l'individu. Ce qui devient la base, et ça c'est le contraire de l'essence, ce qui devient la base, c'est la relation, l'interaction entre les individus, et non l'individu lui-même comme entité. And I would say finally that the culture of two that I'm proposing is novel because it is based on relationality. The culture of two is based on the relation between the two rather than the fortress subjectivity of each one. I think at this stage we must try and draw proceedings to a close. Professor Irigaray will be signing books in the jury room, and in particular I draw attention to her recent book 2B2, which has been published just today. I'd like to thank sincerely Professor Irigaray for such a stimulating talk, and also I'd like to thank Professor Tim Matthews for being such a successful interpreter. Thank you.